Bonjour et bienvenue à l'espace Mendès France. Dans la ville antique de Limonum, le nom de Poitiers à l'époque, un amphithéâtre parmi les plus grands édifices de spectacle de la Gaule romaine pouvait accueillir 30 000 personnes. Vous le saviez? Que reste-t-il de cette ingénieuse construction conçue pour les combats de gladiateurs? Et comment les archéologues ont-ils pu reconstituer ce monument et son histoire au fil du temps? Le Colisée de Rome, le plus grand de tous les amphithéâtres, a-t-il servi de modèle aux amphithéâtres de l'Aquitaine romaine? Nous allons donc parler d'un temps où Poitiers s'appelle Limonum. Cette cité importante se dote d'un amphithéâtre de grande taille, sans doute vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Ces grandes frises chronologiques vont nous permettre de nous resituer dans le temps avec quelques dates repères. Voici une reconstitution de la porte principale de l'amphithéâtre. L'original mesurait 11 mètres de haut. L'équipe technique de l'espace Mendès France l'a reconstituée ici dans des proportions beaucoup plus modestes puisqu'elle ne fait que 4 mètres. Alors en fait, c'est quoi un amphithéâtre? Depuis quand ces édifices de spectacle existent-ils? Qu'est-ce qu'on y fait exactement et comment? Que sait-on de l'amphithéâtre de Limonum puisqu'il a été démoli au milieu du 19e siècle et qu'il ne reste que quelques vestiges dans la rue Bourcagny notamment? Autant de questions auxquelles l'exposition tente de répondre. Nous allons donc continuer notre promenade dans le temps, un temps où Poitiers s'appelait Limonum, un temps où cette ville importante, chef-lieu des Pictons, faisait partie de l'Empire romain. Le plan de la ville antique est maintenant assez bien connu, après des années de fouilles archéologiques. Grâce à une projection interactive, nous pouvons visualiser les différents lieux fouillés et quelques éléments de ce qu'on y a découvert. Des maquettes réalisées par des archéologues de l'INRAP permettent de se représenter certaines de ces découvertes. Dans cette ville, on vivait donc à la romaine. La langue parlée, au moins par les élites, était sans doute le latin. Nous aussi, encore aujourd'hui, nous parlons latin. On essaie? Grâce à l'atelier J'en perds mon latin, vous pourrez tester vos connaissances sur les chiffres romains et sur les mots latins que nous utilisons encore aujourd'hui. Des agglomérations existaient autour de Limonum. Parmi les plus importantes, Sancey et Nintrée avaient elles aussi un monument pour accueillir des spectacles de gladiateurs. Il s'agissait d'édifices mixtes, théâtre-amphithéâtre, qui pouvait accueillir un nombre important de spectateurs, 6600 à Sancey et 10 000 à Nintrée. Dans l'Aquitaine romaine, les amphithéâtres de Bordeaux, Poitiers, Périgueux et Saintes figurent parmi les édifices de spectacle les mieux étudiés. Leurs plans et leur architecture illustrent la mise en œuvre d'une formule propre à l'Aquitaine romaine qui semble avoir été adoptée dès la moitié du 1er siècle. Mais comment faisaient les Romains pour construire de tels monuments? Avec quels outils? L'atelier dans la peau d'un bâtisseur romain vous permettra de vous initier aux méthodes et aux techniques de construction antique. L'exposition aborde l'histoire de l'amphithéâtre après les Jeux. En effet, à partir du IVe siècle, les amphithéâtres sont délaissés et une autre histoire commence pour eux. C'est le cas à Limonum. L'amphithéâtre est dépouillé de ses matériaux, sans doute réemployé dans l'enceinte monumentale qui délimite la nouvelle ville à partir de la fin du IIIe siècle et dont le tracé le laisse à l'écart. Au Moyen Âge, des logis médiévaux s'installent dans l'infrastructure des gradins et y côtoient des habitations modestes et des granges. L'aréna est occupée par des jardins. Si les études menées ont permis d'en savoir plus sur le monument en lui-même, sur son histoire, sa construction, elles ont permis également de proposer des reconstitutions. Ces reconstitutions ont été réalisées assez tôt par les archéologues et les historiens. Une projection permet de montrer ce qu'il est possible de proposer aujourd'hui avec les outils actuels en se basant sur les études réalisées. Nous voici presque arrivés au terme de ce rapide survol de l'exposition. Pourquoi presque? Eh bien parce que la dernière partie est consacrée au Colisée de Rome. En effet, difficile de parler d'amphithéâtre sans évoquer le plus connu, le plus grand, le plus beau de tous les temps. Probablement construit après celui de Poitiers, il est inauguré en l'an 80 de notre ère et pouvait accueillir 60 000 spectateurs. J'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir plus et l'envie de venir visiter l'exposition avec les animateurs de l'espace Mendès France. N'hésitez pas à consulter notre site internet emf.fr pour réserver vos créneaux de visite. À bientôt !